Je suis Sophie Rémy, je travaille chez DIM depuis maintenant 5 ans au sein du département des ressources humaines. Je gère tout le développement des talents au sein de notre entreprise, ainsi que la notoriété de notre entreprise en interne et également en externe. Nous luttons par exemple contre la précarité menstruelle ou encore la précarité sociale. C'est par cette occasion que nous sommes présents aujourd'hui dans les locaux d'ADN que nous soutenons depuis maintenant 10 ans, puisque nous avons tout à fait conscience que les produits de première nécessité comme les sous-vêtements peuvent être difficilement atteignables par certaines populations. Alors DIM a fait un don de 33 000 produits à l'agence du don à nature, donc à base de produits sous-vêtements féminins, masculins ou encore enfants. Par cette occasion que nous avons proposé à nos salariés, par le biais du bénévolat, de venir aider l'agence du don à nature à trier les produits que nous avons pu leur offrir. Au-delà des dons de produits et des dons financiers que nous faisons tout au cours de l'année, nous souhaitons également offrir du temps à ces associations par le biais de nos salariés dans le cadre du volontariat. On propose tout au long de l'année des systèmes de journées bénévoles comme celles que nous vivons aujourd'hui avec l'agence du don en nature. Ça permet de pouvoir renforcer l'esprit d'équipe et de pouvoir développer leurs compétences interpersonnelles par le biais de ces opérations.